Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est tout le monde, c'est moi Spita. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter la bourse du Danemark du Sud. Voilà, et c'est ce que vous voyez là, c'est la bourse SDU, c'est l'université SDU plutôt. Et je voulais en même temps rappeler que cette bourse concerne les étudiants du master et du doctorat. Donc ceux qui veulent vraiment postuler, si par exemple vous venez dans ici, je vais mettre en français, comme ça vous allez mieux comprendre en même temps que moi. Voilà, je crois que celle-là ça va. Donc si je prends par exemple comme ça bachelier ici, ça c'est ça ce qui concerne la licence. Donc si vous venez par exemple comme ça ici important date, vous allez voir que pour ce qui concerne la licence, les dates ont déjà expiré. Par exemple, vous voyez ici la date limite, c'est ici, c'est le 15 mars, et ici c'est le 5 juillet. Ici, vous voyez, ici c'est le 5 juillet, ici c'est le 6 août. Vous voyez un peu, voilà. Et la date limite pour pouvoir envoyer ces documents, c'est le 31 août. Ça c'est pour pouvoir envoyer seulement que les documents, sinon l'enregistrement est déjà passé. Donc ceux qui veulent postuler pour la licence, ça sera pas vraiment possible. Donc ça sera forcément pour le master. Donc cette vidéo là, c'est pour ceux qui font le master. Alors si c'est la première fois de voir ma chaîne YouTube, essayez d'abord de vous abonner à ma chaîne YouTube. Essayez aussi de liker mes vidéos. Ici je donne des informations sur les bourses et puis j'aide aussi à les postuler. Donc ceux qui sont intéressés, vous pouvez voir en description, vous pouvez me contacter inbox ou bien sur WhatsApp, voilà, pour que on puisse vous aider. Donc ici par exemple comme ça, moi ce que je vais faire, je vais venir sur la partie masters. Voilà, donc je vais aller sur masters comme ça, vous allez voir, je reprends ici. Donc je vais prendre ici masters, voilà, et ici vous allez voir que pour le masters il y a deux variations, il y a deux applications pour ceux qui veulent vraiment postuler. Donc moi je prends par exemple ici tous les programmes de masters qui sont disponibles, c'est là. Donc je viens là par exemple, et vous avez vu, il y a assez d'ingénieurs, quelle que soit la physique que vous voulez faire, mécatronique, robotique et tout ça, vous voyez que vous pouvez postuler ici, il n'y a pas de problème. Et il y a d'autres aussi, d'autres facultés que vous pouvez choisir pour pouvoir postuler en son sein. Donc si par exemple je viens dans, moi je vais choisir par exemple, je prends un exemple comme ça, il vient dans ingénierie chimique ici. Si je clique là, vous allez voir les informations sur ingénierie chimique, et vous allez voir aussi quand est-ce que ça commence, et puis comment est-ce que vous pouvez postuler. Donc si vous regardez ici très bien, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a deux entrées. Il y a la rentrée de septembre qui vient, c'est-à-dire le mois prochain, et il y a la rentrée de quoi, de février. Donc pour cette vidéo là, ceux qui veulent postuler, sachez que vous allez faire une rentrée en février, vous comprenez. Voilà, donc les facultés en ce qui concerne la langue, lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir que la langue c'est soit en anglais ou bien soit en danois. Donc je considère que vous, ceux qui n'ont pas de certificat de langue anglaise, vous allez pouvoir postuler en langue danoise pour pouvoir faire d'abord une année de langue danoise avant de pouvoir continuer les études. Donc ici, si vous voyez très bien, quand vous cliquez sur la faculté, vous voyez déjà il y a anglais ici, vous comprenez. Donc ça veut dire que vous devez forcément avoir un certificat en anglais avant de postuler à cette bourse là, ou bien à cette admission et la bourse. Voilà, donc ici vous ne pouvez pas postuler. Bon, ceux qui n'ont pas de certificat en anglais ne peuvent pas postuler, mais ceux qui ont un certificat en anglais peuvent postuler. Vous venez ici voir comment postuler ici, voilà, et ils vont vous montrer un peu quels sont les détails pour pouvoir postuler. Donc pour pouvoir postuler, c'est très simple, vous allez voir, je viens ici, regardez très bien ici, là-bas ils avaient mis septembre. Donc quand je viens ici par exemple comme ça, ceux qui veulent commencer en février, vous avez vu, ils ont mis là, ils ont mis ceux qui veulent commencer en février. Alors vous allez l'application est ouverte depuis 1er juillet, et ici l'application sera fermée le 1er septembre. Donc aujourd'hui c'est le 16 août, le 1er septembre c'est déjà fermé l'application. Donc ça c'est pour les étudiants étrangers et tout ça. Alors ceux qui veulent postuler, vous pouvez déjà commencer à le faire, vous comprenez un peu. Maintenant si vous voyez que vous êtes dans les normes et que vous pouvez postuler, alors pour pouvoir le faire, vous venez directement ici, vous venez là dans application ici portal, vous cliquez là, et à partir de cet instant là, vous commencez maintenant à faire quoi, à les remplir ici, vous comprenez un peu.
Donc, dans un premier temps, ce que vous ne devez pas oublier, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, je récapitule. D'abord, vous allez voir la faculté, vous allez cliquer sur la faculté, vous allez voir si la faculté est enseignée en anglais ou bien en danois. Si c'est enseigné en anglais, alors vous et que vous avez un certificat en anglais, vous suivez les mêmes procédures pour pouvoir postuler. Maintenant, si ça veut dire que la faculté c'est en anglais et que vous n'avez pas de certificat en anglais, alors vous devez forcément changer pour pouvoir chercher à avoir une faculté qui peut enseigner en anglais, qui peut enseigner en langue danoise. Comme ça, vous allez pouvoir faire quoi? Vous allez pouvoir étudier d'abord la langue avant de pouvoir chercher à faire quoi? Pouvoir chercher à postuler normalement. Donc ici, comme je l'ai dit, c'est toujours un master. Donc je clique là et je vais dans tous les masters. Ici, vous allez voir, il y a des facultés qui sont enseignées en langue danoise. Voilà. Et il y a des facultés qui sont enseignées en anglais. Donc si moi je choisis par exemple, je vais faire les mathématiques par exemple, je choisis mathématiques. Donc quand je choisis mathématiques, dans un premier temps, je vais vérifier quelle est la langue d'enseignement et je vais vérifier à quel moment ça commence. Donc ici, si je regarde bien, en ce qui concerne les maths, ça peut commencer en septembre qui vient et ça va commencer aussi en février. Donc moi, je vais postuler pour février. Et n'oubliez pas, la langue d'enseignement, c'est aussi l'anglais. Vous comprenez? Donc moi, étant donné que j'ai un certificat en anglais, alors je pars directement ici sur See how to apply et je viens directement ici pour pouvoir chercher à postuler. Donc arrivé là, comme je suis un nouveau étudiant, alors qu'est-ce que je fais? Je viens ici, set me up has a new user. Donc ici pour les new users, c'est-à-dire ceux qui viennent nouvellement pour pouvoir postuler à cette bourse. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer là. Voilà. Et je vais maintenant commencer à remplir tous les éléments qui sont là, mettre mes documents en ligne et puis essayer aussi de postuler. Alors, je vais m'arrêter là et puis je vais vous montrer. Je vais reprendre la vidéo pour faire une seconde vidéo et puis vous montrer aussi comment ça se passe et puis comment est-ce qu'on postule un peu rapidement. Donc, les gars, c'était moi, Jean Mospita. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et puis aussi ceux qui ont besoin du service, de solliciter notre service. Excusez-moi, ceux qui ont besoin de solliciter notre service aussi, vous pouvez nous contacter inbox pour qu'on puisse vous aider un peu plus facilement. Ok, donc à plus les gars.